What's up les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reste dans la même thématique que la dernière vidéo, puis on va s'ouvrir une Combined Power Premium Collection. Ça faisait pas partie des choix que je vous avais donnés, mais je le regardais dans mes tablettes, puis elle me tentait trop. Fait qu'on attend pas plus longtemps, puis on s'en va ouvrir ça. Let's go! Donc cette magnifique box, là, la Combined Power Premium Collection, ça a été acheté à Québec chez Hobbies Expert. C'est vraiment une belle boutique, là. Si vous passez par Québec, allez faire un tour chez Hobbies Expert. Il y a du pop mur à mur, c'est incroyable. Beaucoup de stocks de Pokémon, des cartes à l'unité. Puis il travaille fort pour constamment améliorer sa boutique. C'est un jeune homme absolument fantastique. Puis parlant de personnes fantastiques, quand j'étais à Québec dans la boutique, j'ai rencontré un autre YouTuber. Ça fait à peine 3 mois qu'il a commencé sur YouTube, puis il est en train de tout démolir. Il est rendu à plus de 10 000 abonnés. Puis je veux le remercier, c'est Canucks Family Channel. Je vous mets le lien dans la description, allez subscribe, allez donner un peu d'amour. C'est un c'est un channel anglais, mais sérieux, c'est fou ce qu'il fait. Puis on peut le remercier parce que c'est grâce à lui que j'ai recommencé. Ça m'a donné un boost de motivation de fou. Fait que Canucks Family Channel, le lien est dans la description. Allez y donner de l'amour s'il vous plaît. Puis d'ailleurs, il va passer sur ma chaîne, puis je vais passer sur la sienne dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc, c'est ça. C'était ça, le shout-out de la journée. Puis là, on unbox cette boîte-là. Ça, là, je l'attendais, ça faisait un bon moment. Il y a du stock là-dedans. Il y a énormément de cartes promo, on va les regarder ensemble. Ça, c'est la carte Jumbo. Lugia EX, vous savez comment je suis un méga fan de Lugia. Puis on a 11 paquets là-dedans. C'est du lourd, ça. Donc, t'es en train de tout péter. On va regarder les cartes promo. Il y a 7 cartes promo, si je me trompe pas. Yup, allez. Fait qu'on commence avec... Suicune EX, vraiment magnifique. Wow! Oh wow! Ok. Drop in the Ocean. Super de belles cartes aussi. Puis la Mr. Mime. Sans voix. Je savais qu'il y avait une Mr. Mime vraiment cool dans le set. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Là, ici, on a la Lugia EX. Magnifique aussi. Ainsi que la OO EX. Regardez, c'est quoi les deux autres items. Elles sont belles, les cartes promo, sa chaîne à côté. Charcoal. Magique. Magique, surtout, vraiment. La brillance de ces cartes-là est folle. M'attendais pas à ça. Très belle surprise. Ça, c'est toutes des cartes que je vais sliver un peu plus tard. Fait qu'on commence. Premier pack de la soirée, les amis. Hey, vraiment, là. Belle surprise. Le code. On y va avec Fire. Eh bien, non. Ça se poursuit. Primade. Palmy. Taruntula. Riolu. Vitality Band. Toxtricity. Crocolord. Hindidi. Premier Reverse, Charcadet et Revarum holographique. Fait que rien dans le premier pack. Fait que là, j'ai pas mal tout eu les grosses cartes que je cherchais dans Scarlet Violet. Puis, ben franchement, j'ai plus trop là. Quel qui me manquerait là, que je serais vraiment content. Mais toutes les Special Illustration Rare. C'est tout le temps agréable à avoir. Donc, let's go. On en chasse au moins une. Beach Court, Too Cool, Growlithe et Klefki holographique. Donc, deux premiers packs sans hit. Mais c'est pas grave. Et hey, puis, je voulais vous dire un gros merci. Là, on est rendu mercredi. La vidéo a été tournée dimanche. Dans le fond, je voulais vous dire un gros merci. On est rendu maintenant. On a passé le cap des 1300 abonnés sur la chaîne. Je suis vraiment reconnaissant. Donc, si vous êtes ici pour la première fois,
N'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit commentaire avec la cloche de notification pour rien manquer du Pokémon Club. Ça serait vraiment apprécié. On est rendu dans Obsidian Flames, on n'a rien eu dans les Scarlet Violet Base Set. Un peu décevant parce que c'est un set que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais quand je vais poster la vidéo, je vais essayer de vous mettre le prix là, des cartes promo que j'ai obtenues. On va voir si la box à 59$, on va voir si c'est rentable. Fait que c'est 59 plus taxes là. On a Undoom, Trainer, Scissors, Skarmory et Scott Vilain. Toujours aucun hit après 4 packs. Pas grave. C'est bon ça, ça veut dire que quand on va fesser, on va fesser fort. Obsidian Flames, let's go. On va aller chercher un petit Fire. Même pas. Liquique, Yugum, Charmander, Dratini, Malamar, Gumpig, Bellybolt, Vulpix, Grumble et Claydol. Une chance qu'il y a des belles cartes promo là-dedans parce qu'à date, c'est tout ce qu'il y a eu. Que des cartes promo. J'étais un petit peu. Je suis pas centré dans ma caméra. Comme je vous l'ai dit dernière vidéo, hein, c'est une nouvelle caméra. Je fais des ajustements. Donc, je suis ouvert aux commentaires hein, s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore. Faites-moi le savoir dans les commentaires. On a Crabominable, Wavile, Varum et. We lost them. Ça mérite de faire un petit cadeau, ça. Moi, vous faire un giveaway, parce que ça n'a pas de sens, ça, cette vidéo-là. Bon, ben, le premier qui va me dire... le premier qui va écrire... Patate au beurre des commentaires. Il va avoir un petit cadeau de ma part. Je vous dis pas quoi, je sais même pas encore c'est quoi. Je vais piger dans mon stock, puis... on va y envoyer ça par la poste. Donc, patate au beurre des commentaires, la gang. Le premier que je vais pogner à écrire ça. Va avoir un petit cadeau de ma part. On a Basil, Froggy et Darkrai. Pas de sens. Ça n'a pas d'allure. Rien du tout à date. Pour une fois que j'avais sorti mes sleeves, ils étaient prêts. Bon, ils vont servir pour mes cartes promo. On va dire Darkness, Fighting Energy. En plus, j'ai pas mes guess. Nikit, Gligar, Simisear, Crobat, Rogue, Lodrick, Zubat et... Oh! Oh, oh, Amarouge, EX. Petite carte EX régulière. Mais... comme je le dis souvent, un hit, c'est un hit. Puis rendu là, oup, beau boy, qu'on va le prendre. Merci beaucoup. Combine Power. Il devait être faible en tabarouette. Parce que même leur power combiné, pas fort. Darkness. On a Toxel, Spindat, Nibble, Elekid, Explode, Mela. Let's go, on veut un autre hit, Deoxys Reverse et Zekrom. At least, c'est des beaux Pokémon, tu sais, je veux dire, pour vrai, il y a beaucoup de monde qui ont bâché sur Paradox Rift, mais c'est de loin, j'allais dire de loin le best set, là, mais j'ai de la misère entre lui puis parle des Evolved à choisir, mais je pense que Paradox a un léger avantage. Fuego, let's go baby, Yann Mask. Ouh! Flamingo! Rogue Trio! Let's go! Mela Reverse! Simisear! Et Tapu Koko EX!
Rien de crazy encore, puis il nous reste seulement un pack. Regardez bien ce que je vais faire avec vous autres. Si vraiment j'ai aucun hit, on va aller piger dans ma booster box de V-Star Universe. Si j'ai pas un hit solide dans celle-là, on va ouvrir 3-4 packs de V-Star Universe. Jirachi, Nancy, Parasol Lady, let's go! Est-ce qu'on a quelque chose à se mettre sous la dent? Oh mon doux seigneur, pas le choix. On ouvre du Paradox, du V-Star Universe, drette là. Pas de niaisage, c'est pas vrai que notre vidéo va se finir de même. Fait que le premier qui va m'avoir écrit patate au beurre, là, je vais y envoyer ces deux cartes là, puis une autre carte de ma collection personnelle. Puis oubliez pas, s'il vous plaît, on partage, on like et on commente. Fait que là, là-dedans, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 packs. On ouvre les 3 premiers. V-Star Universe. Le set a perdu un petit peu de valeur sur le marché. Mais c'est... Moi, je m'en fous perso de la valeur des cartes. Hein. En général, quand j'ouvre de quoi... C'est vraiment par pur plaisir. Puis V-Star Universe, c'est un magnifique set. Fait que je sais même plus c'est quoi le card trick. Fait qu'on y va direct. On a Lapras, Duskull, Electrode, Ultra Ball. Ça c'était Path of the Peak. Damage Pump. Wouh! Garantina V. Et Volo. Solide. On a déjà deux beaux hits. J'espère avoir... Ah, c'est vrai, dans ce titre, il est censé d'avoir un Pokémon Master Ball dans chaque boîte, si je me trompe pas. Hey, ça fait longtemps, là. V-Star Universe, je pense que j'ai ouvert seulement une box là-dessus. Donc, on continue. Solrock. Ça, je me souviens pas du trainer. Miracle. Oh! Latios. Et wow! Malade avec Arceus V-Star. Ça, c'est la Reverse et Boss's Order. Ok, mais ça, c'était-tu ma Master Ball? J'espère que non. Ok, non, c'est pas des Master Balls, c'est des Pokéballs régulières. Donc, dernier pack de la soirée. Merci tout le monde pour votre temps. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Même si, ben franchement, ça a été tranquillos pour les hits. Mais les V-Star Universe sont quand même venus sauver la face. Let's go! Puis n'oubliez pas d'aller donner un petit peu d'amour à Kenox Family Channel. Let's go! Si vous parlez anglais, bien sûr. Si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez toujours aller subscribe. Mais vous ne comprendrez rien. Ok, on a quand même eu Arceus V et Alucha Radiant. Hey, c'est incroyable le pattern de ces cartes-là. Merci tout le monde. Je vous aime. Patate au beurre.